Salut les gars, c'est Ozzy, et on se retrouve sur cette musique épique pour continuer notre aventure sur Rise of Tomb Raider avec cette nouvelle vidéo. Et oulala, oh, et ça pète encore! Alors, coup de feu. Il faut que j'aille là-bas, on est d'accord. Ah bah, un document juste là. T'aurais été pas l'autre passage. La flore de la vallée, des grands arbres aux minuscules champignons, était un mystère pour nos ancêtres à leur arrivée. Il a fallu du temps et quelques erreurs pour apprendre le langage de cette terre. Mais ce savoir se transmet désormais de génération en génération. La terre nous offre tout ce dont nous avons besoin. Les plantes médicinales, nous les trouvons près des sources d'eau et dans les lieux abrités. Dans la forêt, les branches de bouleau, droites et régulières, servent à fabriquer des flèches. Et la manitou-mouche, le champignon que l'on trouve dans les troncs pourris et les recoins sombres, sert à concocter une puissante potion. Une puissante potion, on te dira pas pourquoi. On te dira pas pour faire quoi. Ok, ça tombe en ruine, hein. Génial. Bon. Lara, on peut y aller un peu plus vite, s'il te plaît. Oh là là, ça tombe encore en ruine, ça va tomber. J'ai sauté, ça va se casser la gueule. Bah, allez, zou. Non, même pas, hein, pas drôle. Ça, je sais pas vous, mais moi je trouve que ça sent. Ça sent qu'il y a quelque chose par là. Ah non, c'est juste pour repartir. Je m'en charge. Mince. Mince. Bon bah excusez-moi, c'était juste pour rebrousser chemin. Moi je pensais que ça sentait le. Petit truc caché. Mais non, même pas. Bon, et bah tant pis, hein. Hop, on se refait la petite traversée là. Allez, voilà, t'es prête, on saute, merci. Et puis c'est parti. J'ai retrouvé comment on court d'ailleurs. Fini par retrouver. Ah, sauter. Ah, des flèches. Oh, yes, explosive. On est plus. Ah bah. En même temps, je comprends pourquoi. Zou. Ah, genre, ils ont rien entendu. Ah non, c'est des rescapés. C'était des rescapés. Ah ouais, ok, en mode... pas le temps de niaiser, quoi. Hop, dans de la tête. Allez! Ça tombe bien, je comptais me remettre. Non! Je comptais me remettre là! Alors, tu commences à me les briser, toi là-haut. Ça y est? T'as encore des tirs, mais j'arrive pas à savoir si c'est lui ou s'il est mort. En même temps, je me prends plus de tirs, donc je dirais que ça doit être qu'il est mort. Ou alors il est vraiment pas doué. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à récupérer dans le coin? Encore des. Ouais, bon, non. Hop. Eux, je vais les fouiller. Tac. Des flèches explosives. Oh la vache, il y a de masse flèches explosives. J'ai pas fouillé ces deux-là. Et après, on va s'occuper. Je peux pas le fouiller. Oh lol! Est-ce que. Ah oui, c'est vrai que j'ai le. Et oui, chers amis, c'est vrai, j'ai acheté une amélioration qui est. Le lance-grenade. Très pratique. Très pratique. Alors, je sais pas par contre combien j'ai de... 4 grenades.
Flouch. Ouh, dans la tête. Bien, alors... Mission... Il y en a un autre qui tire dessus, là. Boum! Allez, salut! Et au plaisir de t'avoir connu! Merci pour les munitions... là. Voilà, petite grenade, petit écrou, tac tac tac. Alors, est-ce qu'il me reste beaucoup de choses? Il me reste les deux morts là. Très bien. Du matos supplémentaire et on continue. Quoi? Donc non, ce n'est pas par là. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de possibilités de... Oh, putain, c'est la guerre, hein. Nope. Oh, encore ! Toi, tu l'as regretté. Il est où notre enfoiré qui me balance ces putains de grenades là depuis tout à l'heure? Ah, il est là. Pas sûr de l'avoir buté par contre. Je suis là. Au revoir. Ok. Alors. Non, je peux pas prendre plus de grenades. Par contre, des munitions. Merci, ça c'est gentil. Quand même d'avoir pensé à... Oui. Voilà. Je peux faire ça avec ça. Ouais, c'est ça, c'est des rescapés. Jacob, le combat tourne à notre avantage. Bon travail. Ces hélicos seront bien loin de nous. T'es sûr? Oh, joli, bien joué. Putain, descendre en hélico. On a réussi. Je me demande avec quoi ils auraient réussi. Ça y est, fini. Tu es là? La tour grouille de Trinitaire. On est piégés en dessous, dans les catacombes. Bon sang, tenez bon, j'arrive tout de suite. Ouais, j'arrive, y'a pas de soucis, hop. Aha. Ça c'est intéressant, carte mise à jour, secret dévoilé, parfait, pour le hors caméra, pour finir à 100%, parfait, hop, oh, un petit document, et des pièces, ah, nice. Elias et moi allons tenter d'atteindre les lointaines collines où le vieil ours vit. Les Trinitaires sont toujours rassemblés sous la vieille base soviétique. Nous allons attendre que la nuit tombe pour partir. C'est très risqué. Mais nous savons qu'une bataille se prépare. Nous aurons besoin des herbes médicinales qui poussent sur ces collines pour survivre au combat. Ah, ça, elle l'a écrit juste avant qu'on la rencontre pour la première fois, je pense. Qu'est-ce que je fais, moi? Pourquoi j'appuie sur B encore? C'est X. Ok. Un petit feu de camp. Aussi, je le prends parce que je viens de débloquer un niveau supplémentaire. Une compétence, un chasseur,
Instinct de survie pour détecter la présence d'animaux exotiques et les localiser. Ça peut être pas mal. Augmenter la quantité de ressources naturelles que vous pouvez. Augmenter la quantité de ressources de fabrication artisanale que vous récupérez. Ah ouais, je vais plutôt faire ça. Parce que je commence à être un peu plus en dèche pour ça. Et en termes d'armes, voyons voir. Alors, pour l'arc, je pourrais faire ça qui augmente la cadence de tir. Ah bah pourquoi pas. Par contre, le temps de charge, c'est pas possible. Ensuite, ici, j'ai la possibilité d'encore augmenter la cadence de tir. Là. La vitesse de rechargement. Ah ouais, ça peut être pas mal. Pour le pont, cadence de tir ou vitesse de rechargement, ou les dégâts. Et le piolet permet de forcer porte et coffre quasi instantanément. Ah, c'est pas mal. Comme ça, hop, déjà, bah, il est amélioré au max. On n'en parle plus, et puis... Et puis ça permettra d'arriver vite. Et ça fait un petit succès. Bah, que demander de plus? Ah, j'ai pas fouillé celui-là. Faut croire que non. Faut croire que non. Voilà, merci l'ami. Allez, à la prochaine. Bien, on continue, hein, parce qu'on n'est pas là, on n'y est pas depuis bien longtemps. Cet épisode, waouh! Vous êtes sûr que c'est fini? Boum! J'avais sa tête. Voilà. Ça dans la tête, magnifique. Non mais oh. Mec, il a cru qu'il allait pouvoir me foncer dessus comme ça. Bon, je préfère quand même y aller au fusil. Je suis tranquille avec le fusil d'assaut. Un document. C'est notre premier hiver depuis l'invasion mongole. Seule une personne sur trois y survivra. Aïe, nous vivions autrefois dans des palais de marbre, chauffés par des puits géothermiques. Nous avions les richesses et le luxe d'un empire. Aujourd'hui, nous luttons pour trouver des pots qui tiendront chaud à nos enfants, pour récolter assez de racines et de baies pour nous nourrir. Si nous voulons survivre à un autre hiver, nous allons devoir nous adapter. Sinon, nos corps retourneront à la terre et les animaux reprendront la vallée. Notre sort dépend de nous. Et de nous seuls. Et de nous seuls. Effectivement. Voilà, un peu d'amélioration de grec. Ah, un mec au bouclier. Magnifique! Et bim! Sublime! Timing de la contre-attaque, de l'esquive contre-attaque, génial. J'ai bien fait de prendre ce truc-là. Ça va être très efficace contre eux, visiblement. Ça va, en termes de munitions, on est bien, hein, quand même. Il y en a beaucoup. J'ai rarement besoin de tout utiliser. Ah! Ici, équipe 5. Lol, il y en a un troisième. On va avoir besoin de renfort. Bien reçu, on arrive. On pourrait régler ça vite fait en leur lançant quelques grenades, non? Non, l'Atlas est peut-être caché là. Ah, il a raison, on peut pas prendre ce risque. Mais ils vont pas nous faciliter la tâche. Allez, ouvrons cette trappe. On entrera quand les renforts seront arrivés. Mais en même temps, t'as pas tort, regarde. Hop! On peut régler ça vite fait en lançant une grenade. Oula, mince. Lol.
Boum. Même pas. Je suis déçu. Ouais. Quoi? Quoi? Ah le salaud. Boum. Ah oui, putain, je me soigne beaucoup mieux. Je vous attends, les gars. Allez. Boum. D'autres candidats? Oh non. Allez. Oh, flûte. Voilà. Boum. Aïe. C'est parti. C'est parti, ouais. Je suis d'accord avec toi. Allez. Oh. Ah, cinématique. Bah ouais, mais je voulais récupérer ce qu'ils avaient, moi. Jacob. Défendez les rescapés de l'invasion des Trinitaires, c'est fait. Ce n'est que le début des hostilités. Ouais, je veux bien, je suis bien d'accord avec toi. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit? Vous l'avez bien mérité. Merci. Venez avec je risquais ma vie quand même pour vous, je sais pas combien de fois. Ça a l'air de lui plaire à la Sophia. Oh, je sais pas en fait. Des temps anciens, notre prophète a apporté la source divine dans cette vallée. Mes ancêtres ont bâti Kitej pour la protéger du monde extérieur. Mais dans quel but? Allez, dites-moi ce qu'est la source divine, Jacob. C'est un artefact qui date d'une ère oubliée. Nous pensons qu'elle contient un fragment de l'âme de Dieu. On raconte que ceux qui ont regardé la source se sont vus accorder l'immortalité. Mais il existe une communauté qui l'a toujours convoitée. Les Trinitaires. Oui. Ils veulent répandre leur idéologie à travers le monde. Avec la source, leurs soldats deviendraient indestructibles. Alors il faut que vous m'aidiez à mettre la main dessus avant eux. Ce n'est pas votre fardeau. Bien sûr que si. Mon père a donné sa vie pour ça. Vous ne pourrez jamais combler le vide qui est en vous. Vous devez vous en libérer. J'arriverai à la trouver. Avec ou sans votre aide. Bim! Ça, c'est fait. Attends, Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Ah, ben non, alors finalement... Tu sais où se trouve l'Atlas? La cathédrale, dans les archives au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais y trouver? Il y a une autre armée. Les Immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les Trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Ça t'aidera à la cathédrale. Bon, elle est plus sympa que ce que je croyais finalement. Au début, elle voulait me buter, hein, mais... Ok, finalement, elle m'aide.
Bobine de fil de fer. D'accord. Ah oui, on peut pas retourner en arrière. Ok, très bien. Eh bien écoutez, chers amis, je pense que nous allons nous arrêter là pour cet épisode, parce que là, il doit être d'une bonne vingtaine de minutes. Ouais, voilà, 20 minutes, c'est nickel. Et vu ce qui s'est passé, on va s'arrêter là, les guys. Et puis on continuera au prochain épisode. Sur ce, je vous invite à laisser un j'aime à cette vidéo si elle vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir. Si ces combats vous ont plu. Et puis si ça vous a énormément plu et que vous n'êtes pas encore un guys, ben je vous invite à vous abonner à la chaîne pour devenir un guys et voir toutes les autres vidéos que je pourrais vous proposer sur la chaîne, ainsi que la suite des vidéos de ce let's play sur Rise of Tomb Raider. Sur ce, moi je vous dis salut à tous les guys, c'était Ozzy, à la prochaine.